Ah, ça commence à pousser, hein. Salut les gens, c'est Viperius et on se retrouve sur la sixième, la cinquième, non mais ça y est, je commence déjà parce que ça commence mal. Non, on se retrouve sur la cinquième. Le cinquième épisode, hein, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Sur le cinquième épisode de Penumbra Overture. Alors juste comme ça, je vais faire un live demain. Alors je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne, hein. À mon avis, je vais pas la mettre ce soir, hein. Surtout qu'étant donné qu'on est déjà le soir. Donc, ah oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez, les gars? Oh là là là, vous vous en souvenez de cet endroit? Enfin bref, je voulais vous dire que si vous avez loupé le live, ce n'est pas grave. Car il y aura la rediffusion, juste comme ça pour vous dire, comme ça, c'est avec moi, Loki Délire, avec Babs, mais il peut pas jouer, il a pas joué, c'est-à-dire qu'il était sur Skype avec nous, mais il regardait le live aussi, mais il jouait pas à Gmod, du coup il y avait moi et Loki qui jouaient sur le live. On trace, on s'en fout, on sait qu'il y a des araignées, mais on va faire diversion les gars. J'étais obligé de continuer parce que j'avais envie, je me suis dit sur quel jeu je pourrais faire une vidéo. Et j'allais complètement oublier Penumbra Overture, mais attention hein. Attention hein, c'est pas bien. Ouais, yeah. Mais non, non. Non. J'espère que c'est la seule hein. J'espère que c'est la seule. C'est la seule. C'est la seule à gagner hein. Non, il y a plusieurs. Ah, oh, j'ai pas vu. Un pouce vert si vous aimez me voir crever par une araignée totalement inoffensive. Enfin non, elles sont pas inoffensives justement. Non. Bon allez, hein, quand il faut y aller, faut y aller. Je vais vous buter moi avec cette pioche. Je vais ramener mon. Non, je vais arrêter mes conneries tout de suite. Hein. On va arrêter de dire des conneries. Mais voilà, pour s'assurer, faut bien dire des conneries. Oui, oui, oui. C'est par là qu'il fallait y aller. C'est par là. Elle va pas venir. Oh, j'ai esquivé une araignée. C'est totalement génial. Faut pas fermer. Ah, oh, wow, mon gars. Mais il y a des araignées partout, mon gars. En plus, j'ai entendu les bruits de pas, j'ai entendu. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? Y a pas une porte. Putain, mais. Elle arrivait de nulle part comme ça. Bonjour, je suis une araignée, je vais te piquer. Ah, il y a du sang. Je ne veux pas savoir si cette tache est de l'huile ou du sang. Ça se trouve, c'est juste du. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Moi, je prends ma chaise, hein. Je m'en bats les steaks. Attends, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a rien du tout. Ouais, bah, je prends ma chaise, hein. Voilà, hein, tout de suite direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai activé? Eh mon dieu! Nous allons voir l'araignée! Eh oh! Ah! 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 Vas-y, bouge! Ouais! On l'esquive! Je m'en bats les steaks, c'est que des araignées, mon gars, je l'ai bouffé! Non, justement. What? Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oh, il y a une invasion d'araignées. Elles sont pas là. Ah putain, elles sont là. Oh putain, elles sont là. Ah, j'ai compris, la porte, c'est... Ah non. Ouais, j'ai totalement compris. J'ai totalement compris. Oui. Oh putain, faut se dépêcher, en fait. Parce que ça se referme. Oh, l'esquive. Oh, mais c'est... Mais en fait, elles sont tellement petites qu'on peut sauter. La 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 la. Putain. Oh, je gère comme un pro. Oh oui, vas-y. Oh, mais non. Avec mon oreille restant collée au sol, j'entends vos doigts de pied tremblant glissant vers leur destination finale. Les choses viennent à ceux qui attendent, qu'ils le veuillent ou non, et bientôt je crois que votre attente sera finie. La grande porte de métal. Oh, mais non, regardez-moi ça. La vieille porte morte. Oh non, par où faut y aller, c'est... Hein? Fais bien comme ça. What? C'est pas la musique... Je crois que j'ai déjà entendu cette musique quelque part. Oui, bien sûr, c'est dans le jeu. Ah, c'est la musique des chiens. Oh, il y a des chiens, je crois.
Oh, j'aime tuer les chiens. Ah, oh, c'est ma passion. Je l'ai déjà dit, ça sera mon métier plus tard. Hein. Voilà, hein, voilà. Voilà, 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 petit minou. Où êtes-vous? C'est quoi ça? Attends. Ah, d'accord, j'ai compris. Oh, j'ai pigé. C'est un piège. Un piège à loup. Trop bien. Mais faut amener un. Ah, faut. Oh, ouais, trop bien. Faut amener un chien ici, là. Oh. Mais j'ai peur que les chiens ici soient intelligents. C'est que si on sait. Ah, mais mon gars, mais moi je fais ça au hasard, je sais même pas si c'est là. Ah, attendez, 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 hein. Oh. J'ai arrêté, hein. Ah. Une autre porte de sécurité. Je suppose que j'aurais besoin d'un code. Non, un code. J'ai pris une note juste au cas où. C'est ma date de naissance? 2000. Non, c'est 06. Non. On va arrêter les conneries. En supposant que c'est un code à 4 chiffres, il y a 10 microbinaisons possibles. Wouah, c'est énorme là. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que... Ah, c'est N, c'est N, les notes. Chose à faire, chose à faire. J'ai trouvé une porte menant dans le secteur C. Mais j'ai besoin d'un code pour la déverrouiller. Et ouais, je suis chaud les gars. Ah, c'est encore un piège à loup ça. Encore un piège à loup? Mais il n'y avait pas besoin de code finalement. T'es comme d'habitude, hein. Calm down. D'accord, ils mettent ça, médicament, il n'y a pas de médicament. Bon, mais tu vas tenir là. Ma coupe, je parlais de ma coupe là. Oui, ma coupe est vivante. Coupe boulon. Coupe boulon. Coupe Non mais sérieusement, coupe boulon, dans quel sens? Dans quel sens? Ah, peut-être c'est pour couper les boules au loup, je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. On va le prendre par diversion. Comme ça. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars. Ah, mon gars, le retour des loups. Ah, mais ça fait pas peur finalement. Regardez-moi ça. Ouah. Ouais, mon gars. La musique. Je suis fort, moi, les gars. Hein. Oh les becs. Tu t'enfuis pas comme ça là, hein. Oh, tu t'enfuis pas comme ça. C'est qui le patron? Eh ben c'est pas moi en tout cas. Hein. Ouais, c'est qui le patron maintenant? Hein? C'est qui le minou à sa maman? C'est qui le minou? Raffinerie. C'est la raffinerie ça. T'es vivant toi? Non mais tu fais peur comme ça, hein. C'est pas bien de faire peur comme ça. Eh ben écoutez les amis, on va aller par là. Mais il y a des chiens partout, les gars! On va aller comme ça, là. Comme ça, hein. À mon avis, ils sont tellement cons. Qu'il va pas savoir que c'est un mec. Oh, quoi que non. GG! Oh là là, t'es mort, mon gars! Je te coupe la queue! On va aller à la raffinerie. Ce qu'on voulait faire depuis tout à l'heure, hein. Ça fait 3 fois que je le dis. Hein? Allez, c'est parti. Non, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Nous pouvons rentrer là-dedans. Je suis livré, je suis là pour aller dans un avion. Ouais, c'est des boutons. Ah, mais c'est la fesse, c'est DJ. Non, je sais pas, sérieusement, c'est quoi? C'est une table de DJ de 1950, c'est ça? C'est quoi ce machin? Je veux savoir quelle est cette chose. Derrière toi. Ah, quoi? I'm sexy and I know it. Lucky, je vais prendre ma vengeance sur Gmod. Le DJ bourré. Ce doit être le centre où toutes les roches de la mine sont recueillies et raffinées. Ces pistons pourraient broyer chaque zone de mon corps. Ok, d'accord, très bien. Ah ouais, d'accord, faut tout lever. Mais, comment attendez. What? Mais c'est chiant, les gars. Attends, j'ai pas... Oui! Enfin! C'était vraiment chiant, les gars. Oh non, maintenant. Allez! La technique lapin! Oui, j'ai enfin réussi, les gars. What? Y a pas un monstre qui se cache ici? Non. Oh, mais par contre, nous, on peut se cacher. Comme ça, s'il y a un monstre, on peut se cacher. Voilà. Ça fait largement, vraiment, franchement penser à Mario Kart. Oui.
Vous voyez là, l'usine Toad. Oui, c'est une usine, ça. D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, c'est une usine à quoi, ça? C'est une usine à fabricant de chiens, finalement. D'araignée, finalement. Je ne sais pas. Finalement, ma coupe, elle chante. Voilà. Oh, nous avons un total ici. La batterie, une autre batterie. En gros, on a deux fumigènes et deux batteries. Ce qui fait en tout quatre. Voilà, on a des pierres. Hein, comme ça, si on peut tuer des loups ou des araignées, je sais pas si ça marche, d'ailleurs. Voilà. Hop, ça, c'est, je sais pas, mais on s'en bat les steaks. Allez, toi, tu te barres d'ici, hein, finalement. On a rien à foutre de toi, finalement, voilà. Nous, bon bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je veux rentrer. Ah, l'échelle, oh, l'échelle! Oh non! Ça va être encore un truc, comme la grotte d'araignée. J'ai pris une nage juste au cas où. Mais, décidément, il en prend beaucoup, hein. Cette échelle est assez pressée. Peut-être que je pourrais la démolir d'une manière ou d'une autre. Ah, mais attendez. Bah oui, mais c'est très facile, hein. Attends. Voilà. Tu fais ça. À mon avis, ça peut être assez. Hein. Quoique, hein. Vu comme t'es grand. Oui, je peux, là. Non. Attendez. Mais non. Mais comment on fait pour... Oh oui, attends. La technique, hein. La technique du lourd. Mais non, mais... Oh, hein, mais c'est... What? Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai réussi à... Non, mais sérieusement, j'ai réussi à... Voilà. C'est le baril volant, voilà. Non, mais j'en ai rien à foutre de faire ça, sérieusement. Oui, voilà, cette fois-ci tu le mets... Ah non, mais ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Chaud. Oui, j'ai réussi, là. Non. Oh, j'ai eu peur, les gars. Non, tu tombes pas. Oui. Oh, non. What? Où suis-je, là? Mais là, je peux carrément... Oh, les gars. Je sais ce qu'il faut faire. En fait, l'échelle, c'est un troll. Faut pas aller sur l'échelle, les gars. Faut pas aller sur l'échelle. Mais putain, mais ça va m'énerver, ça. Mais tu peux pas te mettre en place ou je sais pas. Mais fais quelque chose de ta vie. Oh, mais merde alors. Mais bon sang, y a pas une touche. Hein. Bon, bah maintenant on en a deux. Hein. Mais y a pas une touche exprès. Parce que sinon... Oh. Ouais, GG. Bon, maintenant il en manque un. Hein. Et l'autre. Oh non, mais l'autre il est tombé. Mais je suis sûr. Mais je vais avoir besoin des trois. Bon, lui, hein, ça va être facile. Facile. Oh non. Mais merde. Mais mon gars, c'est chiant. Oui. Oh. Bon, bah finalement, il y a bien besoin de celui-là. Hélas. Oh. S'il ou pas, hein? Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être chaud? Oh, ça va être chaud. Non! Oh, heureusement, il y a que celui-là à mettre. Non! Mais, et puis le truc, là, qui se met pas droit. Ni, je suis un baril horizontal, vertical. Plutôt, c'est plutôt mieux, hein? Regarde, là, je suis. Oh, là, je suis vertical! Mais là, je suis vertical! Là, je suis horizontal! Là, je suis vertical! Et là, je suis horizontal! Et c'est ce que j'aimerais rester! Ah! Oui! Oui! Oh, champion! Non, un peu plus décalé. Non, tu fais tout tomber, t'es mort. T'es mort, là. Oui! Oui, the champion. Non, mais j'ai pas envie de tout faire tomber. Non! Mais sérieusement. Oui, voilà, comme ça. Ouais, la pirouette. Oh, bon, si je veux tomber, hein. Vous voulez que je... Oh, je suis mort. Oh, les gars. Oh, putain, j'ai failli casser la gueule. Mais putain. Cordialement Vipérius. Motherfucker bitch. Wow, ça c'est la pirouette la plus réussie au monde. Mais c'est infernal. Et pourquoi ça reste ici là? Pourquoi ça reste ici au milieu, hein? Histoire de te faire... Ah non, tu seras pas horizontal. Tu seras
vertical. Oh merde alors, tu restes horizontal, bitches. Puis déjà ça me fait chier les échelles là. Dans 1916, le but du jeu c'est de trouver une échelle. Là faut monter sur une échelle. Dans l'autre là faut monter dans des échelles. Mais je vais te la foutre dans mon cul l'échelle. Mais droit, merde, j'en ai marre. Oh, oh, ouais, ouais, ouais. Oh, oh non enfin. Oh je, oh, 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 je vous fais une dédicace à tout le monde. Je fais une dédicace à tout le monde. Bon, non, sérieux, je vais arrêter. Je ne serai pas cas. Ça me fait penser que je vais faire une dédicace à des gens. Alors, je vais faire tout de suite des dédicaces parce que je suis tellement content. Là, c'est le moment épique. Là, c'est le moment, voilà, le moment détente et le moment très content. Voilà, le moment qu'on est tous contents. Oh. Enfin, nous avons plus besoin de ces foutus barils qui veulent pas se mettre droit. Merde, c'est chiant là, c'est pareil que... Donc je vais faire une magnifique dédicace, franchement une super dédicace à DJ Killers 936. Il fait des musiques, oui comme moi, il a fait qu'une seule musique, c'est un remix. Et franchement je vous invite à checker ça parce que c'est du trap et tout, et bientôt il y aura de l'électro, du dubstep et tout comme moi quoi, c'est vraiment bien. Je vais faire une autre dédicace à... Je ne sais plus qui d'ailleurs. Oui, j'ai cru que j'avais pas filmé les gars. Oh, ah, je suis très content. Oh, là, j'aurais été... Oh, le pire, c'est que j'ai réussi à trouver l'échelle. Comment il fallait la mettre? Oh, mais franchement, bon sang, ça aurait pas filmé. J'aurais fait une crise d'épilepsie comme ça. Oui, donc je voulais voir la dédicace. Surtout que là, vous avez pas le jeu, ça doit vous ennuyer ce moment. Alors, ça doit vous ennuyer. Alors, je me dépêche. Hein. À Junior... Voilà, Junior Bicolo. Donc, je vais faire une magnifique... Attendez, je reprends la vidéo tout de suite. Voilà, attendez. Allez, je reprends la vidéo tout de suite. Voilà. Donc, je vais faire une magnifique aussi dédicace à Junior Bicolo, qui je crois qu'il fait des vidéos. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Et avec la tête d'oreille. Voilà. Et une autre dédicace à Antonin Sarrazine. Voilà, c'est le moment détente, c'était le moment. Oui, le moment où on était super content. Le moment où on se casse la gueule, hein. Non, tout va bien. Sauvegarder ? Ça sauvegarde, là ? D'accord. Là, ça s'ouvre. Ok, d'accord. Mais comment puis-je faire ? Oh, non ! Non, je veux pas continuer. Je veux pas tout recommencer. Tout recommencer. Non ! Non ! Non ! Non ! Je vous coupe tout ça ! Oui, du premier coup ! Motherfucker ! Oh ! Motherfucker ! Oh, je sais ce qu'il faut faire. Regardez-moi ça. Attends. Ouais. Ok, très bien, GG. Oh là là. Oh oui, oh là là. Oh là là. Oh là là. Enfin. Enfin. Le moment horreur. C'est le moment horreur. Oh, ça y est. Putain, mais il y a différentes phases du jeu, quoi. Il y a une phase rageante, phase horrifique. Va-t-il avoir le premier zombie? Toutes les machines semblent intactes. Il manque juste un moteur. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Toutes les machines sont intactes! Il manque juste un moteur! Un moteur! Oh! Oui! Oh! C'est pas ça le moteur! Une sorte de moteur! Oh. Bon bah les gars, les amis, on va s'arrêter là! J'espère que cette vidéo, ce cinquième épisode de Penumbra Overture, vous aura plu! Si il vous a plu et vous voulez le sixième épisode où que j'ai largement beaucoup ragé, et si vous aimez bien me voir rager, et ben bah, abonnez-vous à ma chaîne! Mettez un pouce vert si elle vous a plu. Commentez là pour vous dire votre avis. Rejoignez-moi sur ma page Facebook pour savoir quand est-ce que j'ai une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur ma page Twitter aussi pour discuter avec moi. Partagez cette vidéo à votre entourage. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Allez, ciao.